Salut, bienvenue aujourd'hui pour fabriquer ce petit tampon. Enfin non, c'est pas ce petit tampon, ce gros tampon, cet énorme tampon qui en fait est un élément d'un décor de théâtre et qui sert pendant une pièce à taper des milliers et des milliers de fois. Ils ont cassé celui qu'ils avaient et ils en avaient besoin d'un autre. Alors ils m'ont demandé de tourner un petit truc vite fait, bien fait. Et donc c'est l'occasion pour moi de refaire un peu de tour. J'aime bien faire du tour à bois, c'est vraiment une chouette activité. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous faire part d'une offre que fait Holtz Profi sur ce tour à bois, ce modèle-là. Je vous mets les liens en dessous. Mais ce modèle-là est à moins 15% en ce moment. Et donc, ben voilà, si vous cherchez un tour à bois, un bon tour à bois qui a tout ce dont on a besoin pour faire du tournage, pour commencer le tournage, pour pas avoir de limitations techniques, voilà, c'est un super tour à bois. Moi, j'en suis très très content. En même temps, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de recul au niveau tour à bois, mais celui-ci offre tout ce qu'on peut chercher dans un tour à bois. Un variateur, des vitesses avant, des vitesses arrière, de la puissance, de la longueur entre pointes. Voilà, c'est une machine qui marche bien, c'est vraiment un chouette outil. Alors sur la réalisation elle-même, je suis encore débutant, alors vous m'en saurez pas trop rigueur. Donc j'aurais dû faire un épaulement entre les deux pièces, on va voir ça au fur et à mesure de la fabrication. Et puis il y a quelques arrachements qui ont fait que le rubio a pas très bien pris, et voilà. Enfin bon, c'est un élément de décor de théâtre qui se verra de loin. Le but du jeu, c'est qu'il fasse du bruit, et ça va faire du bruit.
Thank you.